Vous voyez la réaction que j'ai vraiment l'impression que c'est la manière dont je l'ai annoncé à mes proches, c'est drôle. Bah, bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui est très importante pour moi. Et je vous cache pas que j'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo, savoir comment est-ce que je devrais la faire. Mais comme d'habitude, je fais les choses avec le cœur et je pense qu'il n'y a rien de mieux dans la vie, en vrai. Je me suis même dit comment est-ce que je vais pouvoir l'annoncer, donc j'ai commencé à taper sur YouTube annonce grossesse, annonce je suis enceinte, pour voir ce que les autres youtubeurs avaient fait. Et je vous avoue que j'ai vu des choses super organisées, des vidéos montage de fou malade avec les réactions des proches, avec du coup les tests de grossesse, et franchement c'est très beau à regarder hein. On est cool, je vais me chercher des mouchoirs. Pardon. Avec du coup des échographies, des trucs, des machins. Franchement, honnêtement, moi j'ai pas tout ça. Pourquoi? Parce que c'est des moments que je garde privés et que j'ai vécu avec mes proches. Et pour moi c'est super important parce que je suis quelqu'un qui, même si je partage beaucoup de choses sur mes réseaux sociaux, je choisis ce que je partage. Et il y a des choses que j'aime garder privées et que j'aime vivre à fond pour moi et pour ma famille. Surtout quand il s'agit de tout ce qui est familial. Parce que pour moi la famille c'est hyper important. Et donc du coup, je sais pas comment vous annoncer le fait que je suis enceinte et que avec Raph on attend du coup un baby. C'est trop bizarre de dire ça. Je l'ai pas annoncé à beaucoup de personnes parmi mes proches. Pourtant j'ai pas beaucoup de proches, parce que justement c'est quelque chose que je voulais vivre avec mon cocon. Je pense que justement à travers cette vidéo, si vous allez me connaître un petit peu plus, connaître cette sphère de ma personnalité qui est un peu plus pudique, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se passent dont vous n'êtes pas forcément au courant. Mais si je le fais aujourd'hui, c'est que c'est fait avec le cœur et que c'est fait juste avec le cœur. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo. Pardon. Quand la voix part en cacahuète, c'est que les émotions remontent. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps et qui m'ont suivi dans toutes ces étapes différentes de ma vie où je me suis construite, des étapes de ma vie où j'étais pas forcément heureuse, ou peut-être que ça se voyait pas, des périodes de ma vie où je galérais et que ça se voyait pas forcément, que je ne le partageais pas. Ou partager ça avec vous, ça me fait beaucoup de bien. Et j'espère que vous arrivez à ressentir le bonheur que j'essaie de transmettre à travers cette vidéo. Ne pas en parler, ça a été un petit peu dur, je vous cache pas. Parce que quand on est créateur de contenu, forcément, notre physique, c'est notre personnalité et notre personne qu'on met en avant. Donc du coup, essayer de le cacher pendant pas mal de mois, ça a été assez compliqué. Mais j'ai réussi à le faire et je suis très très contente parce que du coup, ça m'a laissé le temps de réfléchir à comment est-ce que je voulais l'annoncer et surtout quand je voulais l'annoncer et si j'étais prête ou pas à le faire. Et du coup j'ai aussi été agréablement surprise de la part de ma communauté, qui n'est pas une communauté qui gratte l'info, n'est pas une communauté qui gossipe, n'est pas une communauté qui essaie de savoir les choses à tout prix. D'avoir une communauté qui respecte tous mes choix. Et je pense que honnêtement c'est un luxe que d'avoir une communauté comme vous, si respectueuse et si bienveillante. Parce que c'est tout ce que je porte auprès de vous. Je pense qu'il y a certaines personnes qui me connaissent, avec qui je suis pote, qui vont regarder la vidéo en se disant mais what, j'étais pas du tout au courant, je n'y ai eu du feu, c'était très compliqué parce que du coup quand je marchais dans la rue des fois j'avais l'impression de vouloir le cacher, alors que honnêtement je suis tellement épanouie avec ce qui se passe dans mon corps. Je me rends compte après en avoir parlé avec tous mes proches que c'est un soulagement que pour moi de vous l'annoncer, parce que peut-être qu'à partir du moment je vais pouvoir le vivre de manière sereine sans pour autant avoir peur que quelqu'un le dise à ma place. Je pense qu'il y a une notion de vie privée qui n'existe pratiquement plus sur les réseaux sociaux, et je suis contente de toujours l'avoir, en tout cas de mon côté. Sachez une chose, c'est que voilà, je vais vouloir vous partager ce que j'ai envie de partager à travers aussi ma grossesse et ce que je vis. Je m'attends pas à ce que vous me posiez un milliard de questions, parce qu'il y a des questions auxquelles je ne vous répondrai pas, ça c'est sûr. Il y a des moments où j'ai envie de vivre les choses pour moi. Je pense que c'est super important de vivre les choses pour soi, et je trouve que dans ce monde de l'influence, parce que justement, les gens ont tendance à tout montrer. Alors tout le monde montre tout, mais il y a peu de gens qui vivent ces instants pour eux à fond, pleinement. Et je suis contente que de le faire et de justement pouvoir me poser cette limite, de me dire, ça c'est un moment qu'il faut que je grave dans ma mémoire
et pas dans la mémoire de mon téléphone. Et du coup, c'est aussi une philosophie de vie que j'aimerais vous transmettre à vous en tant qu'individu. Dire qu'il y a certains moments en fait où les souvenirs qu'on a dans notre mémoire sont beaucoup plus importants que ce qui se passe dans notre téléphone, et de vivre les choses à fond avec nos émotions, nos sentiments, notre regard, et pas à travers un écran si ça n'a pas de prix en fait. Et c'était hyper important pour moi que de vous transmettre justement ce que j'ai pu apprendre à travers tous ces mois. Et je suis contente de ça. Parce que garder sa bulle, c'est aussi garder son équilibre en tant que personne. Et pour moi, c'est très très important. Il y a plein de choses que je vous dis pas par rapport à ma famille, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je fais. Il y a des différentes étapes de ma vie dont vous n'êtes pas non plus au courant. Parce que j'ai peut-être pas forcément envie de vous les partager. Mais celle-ci, je me sens prête et j'ai vraiment envie de vous le dire pour... Moi d'un côté vivre les choses à fond et vous transmettre un petit peu de bonheur. J'ai réellement l'impression d'avoir mis une lettre dans chacune des boîtes aux lettres de chez vous pour vous annoncer ça. C'est drôle. Avec Raph, on est très contente de vous partager ça. Je sais pas du tout comment terminer cette vidéo. On vous aime. Et on vous aime et surtout profitez de chaque instant avec vos familles. Avec vos amis qui sont votre famille peut-être, avec vos proches et les gens qui vous aiment à fond. Et des fois, posez votre téléphone, arrêtez de regarder les autres, regardez-vous et vivez les instants pour vous, parce que la plus grande richesse qu'on a sur cette planète, je vous jure que c'est les souvenirs. Parce que quand on meurt, on ne meurt pas avec ce qui est palpable, on meurt avec ce qui est là-dedans. Et vivez vos moments à fond, vivez vos moments de vie à fond. Et j'espère que cette annonce aura comblé votre cœur de bonheur et surtout vous aura permis de vous rendre compte que le bonheur est dans les souvenirs et dans les souvenirs qu'on crée avec nos proches, parce que ça ne s'achète pas. Voilà. Bon, je vous retrouve en tout cas très vite la semaine prochaine avec des vidéos comme d'habitude, vous inquiétez pas. Parce que j'ai continué à être active tout ce temps-là, donc vous inquiétez pas. Et puis sur ce, comme d'hab, on vous aime fort, tous, et on vous fait de gros bisous.